Bon, voilà Seb, là c'est le grand jour. C'est le dernier test que je vais faire. Donc j'espère que ça va fonctionner ou en tout cas améliorer les choses. Hier, comme tu as pu voir, je t'ai envoyé un message. Donc j'ai essayé de coudre une pièce sur chaque côté de l'aile. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris aussi ma 5 mètres carrés que j'avais faite il y a quelques temps déjà. Donc je voudrais comparer un petit peu. Si j'ai le temps, je vais faire une vidéo sur la plage s'il fait pas trop mauvais, parce que pour l'instant c'est pas la joie. On a dû perdre 10 degrés en une journée et il fait pas beau, il pleut. Donc entre deux nuages, je vais essayer de tester tout ça. Allez, à plus tard. J'ai essayé ta voile, il y a une légère amélioration, mais c'est pas encore ça du tout même. Donc il faudrait peut-être rajouter deux triangles, moi j'en ai mis un sur l'extérieur, il faudrait peut-être en rajouter deux autres au centre peut-être pour essayer. Il y a aussi la partie, là je viens d'essayer ma voile, ma 5 mètres carrés, qui fonctionne très bien. Et ici, bon, toi ça doit être peut-être les B ou les A, je sais pas comment tu as numéroté tes panneaux, mais c'est plutôt les B ça. Et ici j'avais rajouté des petits nœuds, je sais pas si on le voit sur la vidéo, ici. Et pour rallonger en fait ces fils, donc peut-être que ça peut jouer parce que l'aile a du mal à monter, donc peut-être que ça peut jouer un petit peu en rallongeant ici, là et là. Ça vaudrait le coup d'essayer de mettre des petites ficelles qui font 3 cm environ et de voir. Voilà, là je vais essayer de faire une petite vidéo et comment ça peut voir un peu. Mais je vais essayer de faire une petite vidéo avec l'aile en statique sur une barrière ou sur quelque chose pour te montrer un petit peu la forme de l'aile. Tu vois de manière générale à quoi ça ressemble. Et voilà, moi je suis un petit peu déçu hein, que ça fonctionne pas. Et je te renvoie la semaine prochaine. Allez, ciao l'ami, à bientôt.